Allez, salut, bienvenue à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Assetto Corsa. Je continue toujours ma petite découverte et voici donc la dernière arrivée de ce petit mode de hypercar qu'on a fait avec toutes les autres, les Porsche, ben, la Ferrari, la Carrera Cadillac. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oui, la Cadillac, et puis, je crois que c'est tout. Et maintenant, on se retrouve avec cette Porsche. Bon, je vous ai déjà fait un essai sur cette Porsche, tout ça, je l'avais déjà testé, mais c'était d'un autre modeur. Donc, je vais me lancer avec cette Porsche pour voir avec le mode de chez ACF, pour voir si elle est mieux physiquement, la physique, tout ça, si le ressenti est meilleur avec cette Porsche de ce modeur-là. Comparé aux autres modeurs. Donc, on va se lancer de nouveau sur Le Mans pour faire les comparatifs, bien sûr. Et on verra. Bon, je l'ai mis un skin jaune, je vous la montre, je la présenterai tout à l'heure là, à l'entrée des pits. Et je me suis mis à 6 h, vous allez voir, avec le nouveau pur, qu'il y a eu une mise à jour là, le 0.155, il me semble, avec les nouveaux nuages, tout ça, la pluie qui est arrivée. Je vous ferai un petit tuto là-dessus, tout ça pour vous montrer les nouveautés qui arrivaient avec Sol Planeur et tout, au niveau de la pluie et tout. Donc, on va se lancer, comme j'ai dit, et on va se retrouver à l'entrée des stands et je vais vous faire montrer cette petite Porsche 923 en détail de l'extérieur et tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'entrée des stands. Allez, nous voilà à bord de cette petite Porsche. Voilà, je vous montre de l'extérieur. Ouais, sympathique aussi en jaune, hein. Les feux ça marche, les appels de phare, un beau skin, hein. Bon, elle est bien modélisée aussi, hein, comme vous voyez. Les freins c'est bon, hop, on va se remettre à l'intérieur, voilà, comme ceci. Moi je vais me mettre voilà. Hop, je vais vous mettre ça par là. Bon, parce que je vais garder ça. Le dashboard. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Et hop, voilà. Et on est parti. On va voir ce que donne donc cette petite Porsche. Au premier tour tranquille, hein. On chauffe les pneus, les freins, un petit lever de soleil, les nuages magnifiques. Je ferai la présentation de ce nouveau pur. Ah là là. Oh, j'ai touché la boîte. Comme pour les autres. Je vais choper les 330. Pour que ça soit équitable. Le son est assez sympa. Hein. Régler ma vue. C'est large là. C'est le tour de chauffe. Hein.
Ah, il me semble qu'avec l'ancienne de chez Sindrim, j'ai dû faire 3,33 ou 3,35, je sais plus. On va voir si on va pouvoir battre, si on va se mesurer dans les 3,30 comme les autres, au niveau de la BOP. Petit lever de soleil tranquille là. On a fait un tour, on est parti pour un tour lancé. Allez, c'est parti, on va voir combien. Alors, si on approche les 3,30 comme les autres. Le soleil se lève gentiment là avec les ondes, c'est magnifique. Ouais, j'ai bougé la texture aussi des arbres là. Je trouve un petit mode. Ouais, les arbres étaient vraiment pourraves. Hein. Ah, et surtout ici les arbres teintés un peu à la ramasse. Donc, je vais changer un peu les textures. On n'est pas là pour parler des arbres non plus, on est là pour parler de son comportement, sa physique. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Hein. La physique est bonne, hein. En tout cas. Ah, super comportement. Hein. Ah, elle est bien, elle est saine. Hein.
33. Ah, on peut descendre, hein. Elle est topissime cette fourche aussi. Hein. Bon, l'intérieur est pas mal. Hein. Alors, on prend les 330, 331, 333 freinage. Ah, excellent le soleil là dans les arbres. Ah, on a pris un peu large, mais c'est pas grave. Ah, super comportement, elle est bien cette fourche aussi. Après, faire un comparatif avec le celle de chez Sindrim, c'est pas évident. Elle a l'air mieux celle-là. Bien les virages, hein. Ah, une 32. Allez, un petit dernier tour, on va essayer voir si on peut demander plus encore. Raté là. Un 4 dixième d'avance. On est dans les temps. Hein.
suis dixième. Une seconde. Ah, j'avais dit, il fallait pas se rater là. On a perdu un peu. Nouveau trop freinage. Perdu là, vachement. Ah, je fais n'importe quoi ce tour. Ah, je fais n'importe quoi ce tour. Ouais, on va s'arrêter là. Non, il y a moyen d'aller plus vite. Là, j'ai merdé. Eh ben, écoutez, franchement, super cool cette petite Porsche. Hop, je vais me mettre. Là, je vais. Voilà, je vais me mettre comme ça. Non, excellent, elle est super bien. Super skin en plus, elle est bien modélisée. En plus, et puis au niveau comportement, tout ça, elle est top, hein. Franchement, elle est top. Hein. Sympa. Hein. Ah, c'est ça le bruit. Hein. Non, mais au niveau comparatif, eh ben, non, franchement, elles sont toutes armes égales à peu près. Hein. Bon là je fais une 32 mais normalement je peux descendre une 30 largement. Je sais même pas si j'ai pas oublié de toucher au niveau de l'aéro derrière. Ça se trouve j'ai pas mis l'aéro au minimum. Je sais plus. Après, bref, je sais que j'ai touché la boîte pour être à égalité avec les autres. Pour prendre les 330 comme les autres et tout. Donc non, elle est top. Donc j'ai fini mon comparatif avec toutes ces hypercars donc de chez ASF. Franchement, rien à dire au niveau comportement, toutes elles sont super bien. Au niveau bon, modélisation, elles sont pas mal non plus, elles sont bien finies. Et au niveau ressenti, tout ça, elles sont à peu près toutes à armes égales, hein, franchement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu pour faire évoluer la chaîne et la faire connaître. Et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao !